Ah, c'est génial. Non, maintenant, ils font des mini-stations météo, carrément. Tu peux avoir sur ta tablette, quoi. C'est hyper sophistiqué, t'as tout, vraiment la météo. Même les agriculteurs s'en servent maintenant, il paraît. C'est simple, hein, tu télécharges un truc. Alors, bon, là, il est téléchargé, parce que moi, c'est mon fils, il a téléchargé, parce que moi, au bout de 4 jours, ça m'énervait. Et du coup, bah, tu veux savoir la météo. Hein, tu dis, tiens, bon, bah, je vais sortir aujourd'hui, je mets une jupe, un pantalon. Enfin, moi, je mets pas de jupe. Non, parce que avec les collants, les poils, ça pique. Bref. Du coup, je mets un pantalon. Et du coup, alors tu dis, ah bon, je veux savoir s'il fait beau. Donc, alors, il suffit que tu cliques là, et après là, alors tu double cliques là. Ensuite, tu passes, voilà. Et puis là, faut recliquer parce qu'il faut rentrer. Alors là, faut rentrer ton mail plus le mot de passe. Non, je vous le dis pas, ça, c'est perso en mot de passe. Voilà, après il suffit de cliquer sur le bleu ou le rouge. Putain, qu'est-ce que je fous sur Twitter là? Ouais, sinon bon, tu reviens en arrière, hein, c'est pas. Voilà. Après. Non, ça c'est les programmes télé. Putain. Oui. Et du coup, ce que tu fais, il fait beau. Ah, il fait beau. Il fait 19 degrés. Voilà, c'est vachement pratique. Tu peux même savoir s'il y a du vent. Voilà. Là, il y a plein de gens qui s'équipent de ces mini-stations météo. Là, c'est vraiment... Sinon, si tu galères trop, tu demandes à ta femme, va faire beau demain, chérie.